Mardi, donc voilà, je vous retrouve après avoir défilé tout mon paquetage pour mon Odyssée, bien sûr en honneur des gueules cassées. Et voilà, donc je voulais vous parler aujourd'hui de groupes qui nous aident, nous, donc les blessés de toutes sortes, donc soit des membres, soit de la tête, soit psychologique. Et donc je voudrais parler d'eux, donc comme je vous en ai parlé hier, donc prochainement je dois rejoindre des collègues, donc à Fontenay-le-Comte. Et grâce à ce groupe de personnes qui travaillent dans une cellule pour nous à Fontainebleau, on nous prépare des activités sportives comme l'escalade. La dernière fois, je suis parti en mars faire un stage montagne, donc raquette et ski de fond. Ça a été super. J'ai rencontré des gens formidables de tout genre, gendarmes. Voilà, c'était bien. Bah, il manquait des filles quand même, un peu quand même, parce que bon. Se retrouver entre mecs, ça fait un peu bizarre, quoi. Heureusement qu'on avait des super stagiaires qui. Non, non, elles étaient adorables. Mais en venant à parler sérieusement, voilà, je voulais parler de ce groupe de gens qui nous aident dans le milieu sportif. Donc, soit par le RNBS, donc c'est une activité qui se déroule dans l'année, qui est proposée par l'ACABAT. Et pour pouvoir remettre au goût du jour les activités sportives à certains blessés. Après, on a le multisport, pareil, c'est un niveau un peu plus élevé où on se retrouve aussi avec d'autres blessés. Et là, c'est un peu plus dynamique, mais on s'éclate. Et franchement, c'était super. J'ai rencontré pareil des gens formidables que j'ai gardé contact. Et après, on a la Victoria, donc c'est ce que je vais faire donc à Fontenay-le-Comte. Donc on se retrouve au mois de mai, la semaine prochaine. Et après, on a Hendaye, je crois, stage de plongée. Donc là, je suis en train de vous faire lécher les babines. Et après, en septembre, on a d'autres activités, octobre, novembre et juillet. Normalement, on devrait rattraper certaines activités qui avaient été annulées, bien sûr, à cause du Covid. Donc voilà. Donc ces gens nous aident dans le sport, nous donnent une motivation à revenir vers le sport. Et c'est très, 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 très bénéfique pour nous, soit les anciens sportifs, soit les nouveaux sportifs. Parce qu'il n'y a pas que le sport, c'est vrai, il y a aussi la musique. Certains se retrouvent dans la musique, d'autres à bricoler, à faire pas mal de choses. Donc, surtout, il faut éviter l'alcool. L'alcool n'est pas une solution. Je peux vous dire, ouais, c'est pas une solution. Je ne suis pas passé par l'alcool. Je me suis battu sans. Et j'en suis fier pour ça, donc pas d'alcool, pas de drogue. Le seul défaut, le sucre, bien sûr, le sucre. Le sucre, la plus grosse drogue du siècle, en fait. Voilà, quoi, le sucre. Donc, faut faire attention à tout ça, toutes ces dépendances. Donc, pour ça, bah, il faut trouver des activités, il faut trouver des objectifs. Moi, voilà, l'objectif, c'est ça, c'est rendre hommage aux gueules cassées. En faisant cette étape de 10 jours et de m'éclater aussi pour eux. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis peut-être à demain. Je sais pas. Je verrai. Mais normalement, demain, j'aurai encore des histoires à vous raconter. Salut. Ciao, ciao. Je vous embrasse. Bonne journée.